Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. Cette semaine, direction Chaudzègue dans le Cantal. C'est dans ce petit village de 900 âmes que l'un des meilleurs tatoueurs français a décidé d'installer son enseigne il y a 6 ans et d'y lancer contre toute attente un festival international de tatouage. Rencontre avec Stéphane Chaudzègue. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Nous sommes dans le Cantal. Enfin, on met un pied en Auvergne pour voir des superbes artistes ou artisans. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble parce qu'on va parler de tatouage. Alors, c'est une passion, un métier, un engagement aussi, c'est ce qu'on va voir. Quand est-ce que cette histoire, elle a commencé pour toi ? Oh, chez moi, très petit. Je devais avoir 11 ans quand j'ai découvert ce qu'était la marque. La marque qu'on définissait comme marque sale, puisque le tatouage n'avait pas cette cote très, très populaire à l'époque. Ouais, effectivement, on ne voyait pas de tatouage à la télé, il n'y avait pas de télé d'abord, ça se faisait un petit peu dans les garages ou dans les prisons. Donc, comment est-ce que toi, professionnellement, t'es venu à ce métier ? Parce que on met un pied comment dans ce monde-là ? Je suis né à Versailles, donc j'ai grandi à Versailles. Et j'ai fréquenté le premier studio de tatou installé à Paris, qui avait été ouvert par Bruno à Pigalle dans les années 60. Alors je l'ai fréquenté à 14-15 ans et tout doucement je me suis imprégné de cette ambiance, de ce monde que je pensais découvrir aussi, parce que c'était qu'un aspect. Hein. J'ai voulu me faire tatouer, je me suis tatoué moi-même avec les petits outils qu'on pouvait fabriquer soi-même à l'époque. J'ai découvert le tatouage électrique, ce qu'on appelait le tatouage artistique et électrique et indolore. Tout doucement, c'est vrai que ça a été un parcours extraordinaire parce que ça a évolué très vite et aujourd'hui on peut vraiment parler de talent, de sensibilité et d'art parfois. De quelle façon est-ce que tu aimes t'exprimer, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment définir le genre de tatoueur que tu es ? On entend des mots réalistes. Il y a des courants aussi, bien comme sûr. Les peintres en tatouage. Exactement, il y a des courants. Il y a aussi, des attirances. Il y a des écoles, il y a des passages de ta vie où forcément tu vas évoluer différemment. Les rencontres aussi, les voyages vont faire que tu vas t'enrichir, découvrir des choses et qui vont t'influencer, t'inspirer. Une histoire d'amour peut t'inspirer. Une amitié peut t'inspirer, des choses difficiles, des épreuves dans ta vie peuvent t'inspirer, des artistes peuvent t'inspirer, la musique peut t'inspirer. Et effectivement, si toi-même tu te retrouves à être un petit peu artiste et pour le coup comme un filtre, tu vas emmagasiner des émotions, des choses que tu vas retranscrire. Si tu as décidé de le faire en tatouage, ça sera en tatouage. Alors ça nous amène à cette fameuse question, il semblerait qu'il y ait un petit conflit dans cette profession entre artiste, artisan. Étonnamment vis-à-vis de la loi, vous n'avez pas de statut. Oui. Et encore aujourd'hui, il faut décider, est-ce qu'on est artiste ou artisan. Des fois ça ne se décide pas parce que le métier veut qu'on soit un petit peu les deux. Alors c'est un combat que tu essayes de mener au sein de l'association Partager Tatouage. Parle-nous de ce combat, pourquoi est-ce qu'il faut un petit peu mettre des règles? Alors les règles, par définition, des gens comme moi, comme nous, on dira, hein, tu faisais référence à la culture underground, on s'oppose un peu à ces règles. Malheureusement, des règles, il y en a. On évolue aussi, hein, on le sait, on grandit et le tatouage avec, il s'est développé. Et si à une période, on peut parler d'une trentaine de tatoueurs, même une centaine, aujourd'hui, il y a plus de 10 000 tatoueurs en France, donc... l'acte même du tatouage, on parlait d'effraction cutanée, fait référence quand même à un acte léger qui pourrait être assimilé à un acte médical, je dis bien assimilé, mais tu transperces quand même la peau. Donc il y a des risques qui nous ramènent à ceux de la santé publique. Donc quand on annonce des chiffres effectivement comme 15 000 actes par jour en France, c'est...
c'est 15 000 risques de pouvoir soit contaminer quelqu'un ou de risquer une allergie avec un pigment qui peut-être ne serait pas approprié à la pratique du tatouage. Donc, bah, que va faire le gouvernement, que va faire le ministère, le législateur? Bah, il va faire ce qu'il sait faire le mieux et ce qu'il doit faire pour protéger la société. Il va légiférer. Donc, bah, on le sait, si nous, on n'arrive pas à proposer un cadre qui puisse être structurant pour la profession, rassurant pour les professionnels et rassurant aussi pour l'État, eh ben on va tout simplement nous interdire ou nous poser des conditions, des règles imposées qui ne seront pas adaptées à notre activité professionnelle, à notre quotidien. Parce que oui, ça peut sembler alarmant de parler de risque avec effectivement une pratique dite à risque, mais en attendant, il y a quand même 15 000 tatouages qui se font par jour et il n'y a pas 15 000 morts. Une petite cellule et qui n'est pas si fermée que ça, car il y a un festival, le Cantalink, qui arrive bientôt, là, ça sera au mois de juillet. On en parlera tout à l'heure et puis on va mettre le nez un peu dans les cahiers, voir ce que tu fais. Oui, d'accord, tout à fait. Allez, c'est parti. Danger sur les encres couleurs, statut flou et sans reconnaissance ni assurance professionnelle, formation, sont autant de menaces contre lesquelles Stéphane Schotzeg et son association Tatouage et Partage s'élèvent. Autre combat, les idées reçues qu'il casse lors du festival Cantalink qu'il a fondé il y a 4 ans. Avant de découvrir les enjeux et la programmation 2016, rencontre avec Zoil Needle, ce jeune savoyard compte parmi les talents français à suivre et les invités stars du festival. Loïc est tatoueur. En une vingtaine d'années, il s'est construit une notoriété dans le monde entier. Aujourd'hui installé à Lausanne, cet artiste aux toiles vivantes n'a pas eu besoin de se chercher longtemps avant de trouver sa voie. Alors, je déménageais dans une rue où il y avait un tatoueur, en fait, tout simplement. Et je lui faisais des travaux, tu vois, gratos, puis lui me tatouait gratos. Et au final, je sais pas, j'avais juste 18 ans, alors, j'avais pas vraiment envie de faire de la maçonnerie. Un jour, j'ai tout lâché, je travaillais plus, j'avais plus au boulot, je squattais mon appartement. Puis elle me disait, bah, tu veux pas faire du piercing? Puisque je traînais de plus en plus au chaud, je lui dis, bah, ouais, ok, c'est bon, ça marche pour moi. Il dit, bah ouais, tu te perces toi, tu perces des collègues et c'est bon, tu viens percer. Et après, ce mec-là a ouvert une autre boutique plus loin dans une autre ville. Il m'a dit, bah, tu veux faire du tatouage? Moi, je dis, bah ouais, d'accord. Le même principe, il me dit, bah, tu tatoues toi-même, tatoues un copain et puis tu viens tatouer. Aujourd'hui, c'est une cliente zurichoise qui a fait le déplacement. Pour son premier tatouage, elle s'en remet aux mains expertes de Xoil. Un modèle unique, équivalent à 5 heures de travail, soit 2500 francs suisses. Mais l'art n'a pas de prix. Moi, je vais y avoir une redondance de pattern, une redondance de forme ou de couleur, mais jamais de motif en général. Tu vois, mes motifs changent du tout au tout. Je vais avoir un truc super abstrait. Après, je vais avoir un truc, on va me demander un peu des gravures un peu à l'ancienne. Mais s'il se décrit lui-même comme simple prestataire, Loïc vit le tatouage dans tout ce qu'il fait, entretenant forcément des liens particuliers avec ses clients. Le côté social, moi, c'est ce qui me plaît, ce qui me plaît le mieux dans le tatou. Je dis, ça fait rencontrer des gens géniaux, ça me fait intéresser plein de choses parce que les gens ont toujours des thèmes complètement ou fous ou différents. Du coup, tu es obligé de t'intéresser à chaque, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu vois, mais à chaque thème qu'on t'étudie pour pouvoir réussir à faire une création, tu es obligé de creuser un peu le sujet. Donc, ouais, c'est agréable, on rencontre des gens super, des gens moins super. La plupart des clients restent des bonnes connaissances, certains deviennent des amis. Voilà, ouais, bien sûr, le côté social, c'est très important. C'est exactement le but du tatouage, d'ailleurs. Avec un carnet de commandes plein à craquer, l'artiste continue de se renouveler sans cesse. Dévoué à l'éternelle quête de plus de connaissances, il tient avant tout à pouvoir continuer de travailler, d'expérimenter, de créer, précédant les tendances et faisant de ses tatouages une référence mondiale du genre. De retour dans Agora, cette semaine nous sommes en Auvergne pour découvrir un cantalois hors norme. Stéphane Schotzeg a reçu en 1995 le prix de l'artiste de l'année par la prestigieuse National Tattoo Association. Ce statut international ne l'a pas empêché de quitter Paris pour rejoindre ses terres natales afin d'installer son atelier et monter en 2013 un festival de tatouage qui réunit sur 2 jours les meilleurs tatoueurs mondiaux et 10 000 visiteurs.
Stéphane, on va parler du festival Place à Cantal Inc. qui va se dérouler du 2 au 3 juillet 2016 dans cette région. Le tatouage débarque en Auvergne. Pourquoi ce festival ici même, à Chaudes-Aigues? Ben parce que c'est les deux passions qui me portent et m'animent. Tu le sais, le tatouage. Et puis ce petit village qui lui aussi est identitaire, puisque mes ancêtres vivaient ici. Et sans faire référence à l'exode rural, etc. Beaucoup d'Auvergnats, tu le sais, sont partis à Paris. Moi, j'ai décidé de revenir. Je trouvais que c'était sympa de ramener la richesse culturelle, le monde, les médias, l'impact économique, médiatique. Ici, parce que c'est ici que ça devait se faire, dans mon histoire. Alors Stéphane, quels sont les enjeux pour la profession de ce festival ? Une meilleure communication auprès de la profession, diffuser un message d'information pour montrer ce que les tatoueurs sont capables de faire, pour montrer qui sont les tatoués, pour montrer comment un petit village dans le Cantal est capable de recevoir toute cette belle communauté professionnelle, mais aussi la masse tatou, quoi, le phénomène tatou. Parce que je crois, voilà, on est à 900-950 personnes à l'année à Chaudes-Aigues. On monte jusqu'à 10 000 personnes. Oui. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Mmh. Extraordinaire. Parce qu'on a des petits bérets, des bergers qui doivent se balader et en même temps des gros tatoués avec des anneaux de partout. Enfin, c'est un contraste incroyable, mais c'est possible. Oui, et le tatouage, on le sait, c'est aussi monsieur et madame tout le monde. C'est aussi toutes les couches sociales, socio-professionnelles. Il fallait juste créer, communiquer sur une passerelle qui nous amenait à la ruralité. C'est vrai que c'est un cliché, personne n'y croyait trop au début. C'est une belle rencontre. C'est des rencontres qui ont été établies la première édition. Et chaque année maintenant, ce sont vraiment des retrouvailles. Alors comment avoir aussi remporté le challenge de faire venir des têtes d'affiche, car on a effectivement des célébrités qui sont sur les télé-réalités américaines, et qui viennent ici naturellement, je pense à Shane O'Neill, voilà, qui lui vient alors qu'il a eu quand même une bonne couverture médiatique. On fait venir des Américains dans le Cantal, c'est ça aussi. Pourquoi ces têtes d'affiche viennent? Oui, et pas seulement, parce que tu le sais, il y a 27 nationalités représentées, donc par définition des ambassadeurs du Cantal et du tatouage aussi, là, au travers de la planète. Certains sont des amis, donc ils viennent parce que j'ai moi-même répondu à des invitations lorsqu'ils organisaient des événements dans leur pays. Et puis d'autres que j'ai découverts, que j'ai connus, parce que ils souhaitaient venir tout simplement découvrir ce qu'était cette convention, ce festival, cet événement qui, justement, de façon atypique et unique au monde, rassemblait dans une zone rurale, un petit village de 900 habitants, presque 200 tatoueurs professionnels et plus de 10 000 personnes sur deux jours. Merci beaucoup Stéphane d'avoir pris le temps avec nous. Merci. Puis on va se poser, je vais regarder le catalogue. Est-ce que je vais me faire un Made in Cantal ou I love Cantal? On va voir, je vais regarder. Il faut. Okay. I love Cantal. La prochaine édition du festival Cantalink se tiendra les 2 et 3 juillet 2016. De l'encre à l'aiguille, il vous reste 5 mois pour faire votre choix. Des rendez-vous avec les grands maîtres sont encore possibles, alors ne vous précipitez pas pour la Saint-Valentin.